Nous sommes à Helsinger, au Danemark, et c'est ici, devant le château où Shakespeare a écrit Hamlet, que nous allons découvrir la nouvelle Mini Iceman. Fabriquée en Chine, la Mini Iceman sera produite exclusivement en version électrique. On dirait pas comme ça, elle a l'air hyper longue, mais pourtant elle fait que 4,08 m. Ici, vous pouvez voir le passage des roues qui lui donne une impression de surélévation. Et comme vous pouvez le voir, cette Mini reste fidèle à l'esprit Mini originel avec la même architecture des autres Mini. Non, je suis pas sur mon téléphone, hein, vous inquiétez pas. Je suis juste en train de manœuvrer la Mini. Et grâce à l'application, vous pouvez vous déplacer et manœuvrer pour vous garer. Oh. À l'intérieur, on ne peut que saluer la créativité façon Mini. Des petits rangements hyper originaux comme ça, des super sièges, c'est super fun. Cette bulle qui va vous diriger grâce au GPS vu par satellite ultra précis et des motifs originaux à l'intérieur de toute la voiture. Du cuir vegan et un sound system Harman Kardon. Elle est pas belle la vie. Le truc qui est sympa avec cette Mini, c'est qu'à l'intérieur, vous avez plein de jeux. Et là, je suis en train de piloter une Mini Austin, donc je vous laisse, parce que là, je peux pas conduire et parler en même temps. Allez, hop. Allez, j'ai fini. Avec ses fonctionnalités ultra connectées, comme ses caméras avant et arrière pour manœuvrer, et également pour conduire de façon plus précise, ce sera probablement la prochaine voiture qui séduira Mr. Bean. Doucement. Allez, fire. Oh là là. Ah non. Allez, la nouvelle Mini là. Nouvelle Mini. Hop. Attention. Feu. Aïe. Hop là, allez. Oh là, laissez-moi conduire là. Allez, hop, là, la Mini Austin là, allez, fire. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
Stop.